Bonjour à tous, c'est Tardencio. Bon retour dans le monde de... C'est quoi le jeu déjà ? Octopath Traveler, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Je suis désolé pour la longue pause de plusieurs jours. Je suis devenu accro à un autre jeu et puis j'avais pas mal de trucs à faire. Beaucoup de boulot. Donc on est à Don des Flammes, on vient de récupérer Ophelia, notre petite prêtresse. Et on a le choix... Aller voir ce qui se passe dans le monde de Primrose, mais on n'est pas encore niveau 21, ou tout simplement aller recruter une autre personne. Ou encore se balader dans un coin secret par là. Pourquoi pas. Je pensais aussi peut-être retourner au Bois Sifflant, qui est niveau 15, donc il y a peut-être quelque chose à aller récupérer là-bas. J'envisageais ça. Donc je vous dis à dans quelques temps, je n'ai pas vérifié toutes les quêtes. Ouais, j'ai pas vérifié les quêtes, je crois pas. Ouais. Je fais quelques quêtes et puis on se retrouve dans quelques temps. Ça, c'est bon, je suis de retour au Bois Sifflant. Je suis un peu en dessous des niveaux attendus. Il faut que je fasse attention quand même, je suis niveau 14 alors que c'est niveau 15 ce truc là. J'ai déjà été récupérer des trucs à droite. Ah voilà, c'est quelque chose à gauche. Y'a rien ? Y'a rien ? Un vase à secret quelque chose ? Non ? Là c'était le coffre il me semble. Ouais. Ok, bizarre. C'est faible contre le froid, donc on va vous régner du froid, hein. On va y aller. combat un peu long, parce qu'avec la soigneuse, finalement, j'ai plus trop de dégâts. Faut que je fasse gaffe à ça quand même. D'ailleurs, je pourrais. Faire attention. Intéressant, il y a peut-être une quête ici. Là, il n'y avait rien de mémoire, et un coffre. Je sais pas s'il y a une quête particulière, je vais sauver au cas où. J'aurais peut-être dû revenir avec une quête, mais... Y a rien d'autre? Ok, donc y a rien, je suis venu là pour rien. Sauf pour prendre de l'XP. Bon bah je vais vous laisser, ça va être un peu chiant pour vous. Ah là là. Boum. Ah non, il en reste un. Il en reste un. Je sais pas contre quoi il est faible lui. Il est faible contre rien en fait. Ah bah si, contre la lumière, ok. Prune stimulante, parfait. On va pouvoir se barrer en sécurité. Non bah il y avait que dalle, alors est-ce qu'il y aurait une quête ici? Étrange. Un chemin secret, quelque chose? Ah! Non? C'est quoi ce piège? C'est quoi ces pièges? Que dalle. Bon bah tant pis. Donc on va partir à l'aventure chercher un autre personnage certainement. Après un combat contre des grenouilles. Bon, je me suis reposé à Don des Flammes après m'être lâchement
enfui de la zone des grenouilles. Ça convenait pas à mon équipe en fait, c'était pas très pratique. Donc on va plutôt... On va plutôt aller vers le bas alors du coup. Certainement. Alors, pas ce bas là, faut croire. Donc, je suis obligé de monter pour redescendre, c'est particulier. C'est bien ça hein. On verra bien, on va éliminer quelques loulous et puis on verra bien. J'ai aussi rajouté une compétence sur Ophelia, compétence de soins global à tous les... Tous les alliés qui est un peu plus cher, donc il doit ramener plus de points de vie, je pense. Ça sent une grotte par là-bas. Alors, encore des coffres. Non, on peut pas y aller. Même là ? Oh, ça fait bizarre. Ikimasu ! Saute. Saute. Kakugo ! Kore de owari ka. Alors, où en était-on ? Ah ! Ok. Niveau 25, donc non. D'accord. Noix critique. Okay. Donc, je pense qu'il faut que j'aille voilà, vers le bas pour aller à Svarki. Enfin, par là, quoi. Ouais, par là. Oh mince, le coffre ! Donc c'est pas vraiment un chemin différent. Okay. Tout ça pour ça? Ouais. J'ai pas tout dépensé, j'ai pas acheté beaucoup d'armes, j'aurais peut-être dû. On verra. Enfin niveau 15, et en plus on gagne une grenade, une essence de grenade. Bon, j'espère qu'il fait pas aussi froid à Svarki, ça fait un peu russe quand même comme nom. Hein. Svarki. Non, ça a l'air un peu moins pire. Remarquez comme le réchauffement climatique est rapide ici. On fait deux pas et hop, le climat a changé. Oui, par où faut-il aller? Sentier sans... Ouais, ça sent la quête, ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas ici? Ah bah, je ne sais pas, effectivement. Bon, ça n'aime pas ça, ok, sympa. Je pense que le sanglier ça doit pas aimer la lance. Hein. Ah si? Oh, c'est violent. Mais comment ça tape fort ce truc? Stop. Je sais pas à quel niveau ils sont, mais ils sont pas censés taper aussi fort, je crois pas. Et ça alors, par contre? Ok. Euh...
Ok. C'est fort contre aucun sort de magie. Étonnant. On va espérer que c'est... Voilà. Mais il crève pas? Mais c'est quoi, c'est... C'est un boss ou quoi? Ok... Ok... C'est sérieux ce truc là? Bon bah on va faire un gros soin. Hein. Ok, c'est efficace, c'est efficace. Un peu cher, mais efficace. Et ça? Non, pas ça. Incroyable quoi, la défense de cette bestiole. Ok. C'est même pas un gros bonus quoi. Ça va être rigolo quoi. La quête va être rigolote. Perso à H, alors un truc dans le genre. Ah, mais nous sommes arrivés, probablement. Yeah. Le foyer des chasseurs de sombres sylves. Yeah. Cultiver son esprit. Alors, où est la petite dame? Elle est par là. Quelle raison une telle bête finirait-elle dans nos bois? Genre un plus gros sanglier que celui qui m'a tapé dessus là? Est-ce là le présage d'un mal imminent plus grand encore? Cette chasseuse hors pair répond au nom de Hani. Dernière descendante d'un clan ancien, elle vit ici à Svarki, dans les profondeurs de Sombre Sylve. Cette chasseuse aguerrie et hors pair arpente les forêts avec sa fidèle compagne Linde. Elle repense souvent à son maître qui a quitté le village il y a un an de cela pour entreprendre une chasse périlleuse de laquelle il n'est toujours pas revenu. Ah, on va en partir en quête du maître? Peut-être? Lorsque le seigneur local a besoin d'une intervention musclée, elle répond présente. Elle va devoir éliminer une bête féroce qui terrorise la région. Elle se met donc en route pour le bois bruissant, toujours flanqué de sa fidèle compagne Linde, et des losers à côté. Il lui faudra l'aide, d'alliés téméraires pour emprunter la voie qu'il a choisie. Ouais, on va emmener Anit et on va virer... Bah, j'ai envie de garder Ophelia parce que je me fais taper dessus comme un bourrin. Pour enlever Cyrus pour l'instant. Ah oui. Ah non, c'est le perso principal. C'est drôle. Bon bah la princesse alors.
Yokatta. Mada shippatsu shite nakatta ka. Que faites-vous là? Na, sore wa na. Je suis un peu lâche. Kawaii deshi no kao o mite kara shippatsu shiyou to omotte ne. Ah, d'accord, c'est pour dire au revoir, il est poli. Mata jodan wo. Shisho, konkai wa nagaku narisou na no ka? Sate na. Da ga, seigaku shidan kara no irai da. Kantan na kari da nai daro na. Chasse au dragon, peut-être? So. Shinpai iran. Ore wa omae no shishou da zo. Facile. Omae no shishou wa kari no tatsujin da. Sugu ni owarasete kaette kuru sa. Ouais, deux mois et un an plus tard. Nanda, sono fufukusou na kao wa? 私が心配しているのはそこではない。寄り道はほどほどにな。あ、touché un point sensible。少しぐらいダメか。ダメに決まっている。忘れたとは言わせないぞ。狩りの依頼の手付金を賭けごとに使って。逆に借金をこさえて帰ってきたの。あれな。ビクターホローの舞踏大会で賭けをした時のことか。魔物の強さはわかるんだが、人の強さを見切るのは苦手でな。Un accident, un accident. なぜ賭けなんかしたんだ。エリザに立て替えてもらって、この間返済が終わったばかりだぞ。On paye pour vous。本当に狩り以外はいい加減だな。Finito。Jamais de la vie。一の矢の失敗は二の矢の成功ってな。Ah oui, non, d'accord. Il est notre ことだ。Il est incurable。そこでため息をつくな。ちょっと情けなくなる。お前だけが頼りだ。師匠をしっかりと見張ってくれよ。そらないじゃないか、相棒。俺よりハーギットになつきやがって。それこそ人徳というものだ。Ouais, faut peut-être y aller maintenant, hein. Zonta. Ah, c'est la fameuse Elisa. Non. Il tente de partir. 友人である前に私は性格しよう。依頼主であることをお忘れなく。へいへい、依頼主様。長くなりそうなら手紙でも送らせるわ。あなたの師匠借りるわね。あ、ils partent ensemble、d'accord。あ、気をつけて行ってくるといい。いつも通りこの森のことは任せろ。Donc il n'a pas disparu pendant un an au casino alors. Ittegru. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit vouloir dire à bientôt. Anna koto itte mo 1 nen tatta ga. Are kara yokoshita tegami ga 1 tsu dake to wa. Shisho wa hontou ni ii kagen da na. Yo, Hanito, ore da. お前のお師匠様だ。気取った時効の挨拶は省くぞ。
いつ届くかもわからんからな。あ、でもね、シーズン、必須で changer de zone alors。性格師団からの依頼を受けて3ヶ月、俺は標的の獲物を追っている。赤目と呼ばれる魔物だ。アイルージュ。赤目って名前も性格師たちがつけたもので、正体は全くわからん。こいつはなかなか厄介だ。罠には引っかからんし、時々俺の動きを読んでいる気もする。知能が高いのか、勘がいいのか、なかなか尻尾をつかませてくれん。Serait-ce un boss caché? こちらに気づいたのか、そろそろ縄張りを変えそうだ。赤目の移動先は、ストーンガードと俺は睨んでいる。お前相手にごまかしても始まらん。だから正直に言っておく。この狩り、長期戦になる。だが、まあ心配するな。必ず赤目を買って森に帰る。それまで村のことは頼んだぞ、アイット。心配性の弟子へ、ザンターより。ザンター。珍しい。師匠が素直に時間がかかると言うとは。赤目とはそれほど手強い獲物なのか。それともこれはただの寄り道の口実？Ah ouais, œil rouge, c'est peut-être parce qu'il boit trop en fait. Ya, 確かにいい加減で調子が良くて軽い人だが。やると言ったことは必ずやり遂げる。リンデ。そうだな、リンデ。リンデ。私は師匠に任された通り、村の狩人の職務を全うするのみだ。On va patrouiller un peu là. Non? 仕事の依頼が来ていないか、村長のところに行ってみるか。C'était pas loin.Parlez au chef. Oh, chef, comment va? Ya. Ya. Il n'y a rien à faire, comme d'hab. Soka. Emmener des jeunes, ça va être pratique, tiens. Ouais, c'est un peu long là, faut qu'on avance. Deux chasseurs. Alors qu'est-ce qu'elles peuvent faire, elles? Elles peuvent lâcher des bêtes pour provoquer les gens et les pousser à se battre. Hein? Hein? C'est-à-dire... Ike! Oh mais c'est comme... Oh mais c'est comme l'autre en fait, ça change rien. Griffe aveuglante, ouais, pourquoi pas. Y'a que l'appel des bêtes pour rien faire d'autre. Oh, facile! Ouais, ça fait un peu redondant quand même avec le guerrier. Hein. Merci de m'avoir tabassé. Et une deuxième. Ike.
Pourquoi taper sur des novices comme ça? C'est pas mérité, ça. Je sais pas si elle pourrait avoir d'autres compagnons que Lind. Pénard, le lynx. Ou la panthère. Ah! Yokatta. Eh oui, tu dois apprendre à rester sur le sol, allongé. Né, né! Ah, il y a du boulot pour une fois! Et on y va, on y va. Requête du Seigneur Siaran. Une grosse bête. On veut le meilleur chasseur, donc c'est pour ta pomme, pas le choix. Oui, raconte tes vieilles histoires encore. Et qu'est-ce que je disais? laisse-moi y aller, laisse-moi y aller. Non, qu'est-ce donc comme bête? Une créature féroce. Attends, des bois bruissants. C'est pas où j'étais tout à l'heure? Non. Victime une guisarme. Hein? Ça me parle pas trop. Ça doit être dangereux. Ouais, un canon pareil, c'est pas un sanglier, hein. Ouais, allons-y, allons-y. Je dis ça trop souvent, pardon. Ah, il a vraiment mauvaise réputation, le chef. Ok. Enfin, le maître. Ah. Soka. C'est généreux. J'ai pas vu combien il te payait. Hein. Par contre, est-ce qu'on peut améliorer son équipement? Elle a quoi? Ah oui, elle a un arc aussi, donc... J'en ai qu'un? Ah non, on va en acheter un autre, je sais pas. Où est-ce qu'on peut acheter des trucs ici? Là, par exemple. Voilà, t'as des arcs là. Composite, en arc du loup, c'est le même. Ou un arc qui coûte un poil trop cher. Ça, c'est un peu dommage d'acheter un arc du loup. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. Pour le reste, je pense que l'équipement, on doit pouvoir lui mettre de la défense. Ah, pas cher. Voilà, un casque solide par exemple.
ou une perruque argentée. Ouais, un chapeau pointu plutôt. Je sais pas quel genre de bête on va avoir. Peut-être plutôt un truc... les accessoires. Peu de vitesse. Ok. C'est par là. Ah non, c'est pas. Non, c'est par là-bas en fait. Ok, donc c'était pas l'autre bois où je suis allé. Mais comment on y va là? Ah non, c'est à l'autre bout en fait. Quoique, je sais pas. Je l'ai peut-être complètement loupé. Tant pis. Oh, l'intuition. Il y en a qu'un qui est faible. Non, il y en a deux qui sont faibles. Ok, nickel. Ah non. Qu'est-ce que je vais faire? かかってこい。 ここからが本番だ。 なかなか考えがいがあるね。 本気を出そうか。 私の番。 どう動く? Est-ce qu'on teste Linda? Ouais, allons-y. Sans plus. Ok, dommage. Saute. Je sais pas, j'ai dû louper le coffre. Il y aura un passage secret au départ. Lapin. Par contre, ça fait un bout de temps que je joue, mine de rien. On va sauvegarder et puis on fera le donjon la prochaine fois. Alors désolé pour ce épisode un peu lent, mais voilà. On s'est baladé dans la nature. Et on va progresser tranquillement avec notre chasseuse. Donc je vous dis à bientôt dans le bois bruissant. Ciao.